ouais, aussi. Ouais, mais il y en a beaucoup. Ah, il y en a énormément. Ouais. Énormément. Bon. Là, je suis, mais alors je me sens idiot parce que je comprends rien. Je sais pas comment il est, mais. Ah non. C'est vrai que c'est assez spécial quand même. J'ai la réaction des profanes qui disent putain, ils le vendent combien ce truc-là? Parce que si ça vaut 100 000 euros, moi j'arrête. Hein. J'en fais des petits, des grands, de travers. Et alors en avant la couleur, hein. Dans le minimaliste, je fais ça avec des allumettes, comme ça, c'est encore plus minimaliste. Un tout petit peu, mais vraiment pas. Tu vois, Miro, tu connais Miro? Là, c'est mieux déjà. Première salle qu'on a vue en arrivant, là on nous raconte des histoires, on nous dit des choses, et puis le travail ou la recherche, c'est plus perceptible pour nous. L'art est quand même quelque chose de très spécial pour l'artiste, donc de pouvoir y rentrer, d'avoir la chance de participer, pour un petit moment faire partie de l'artiste, est quelque chose qui m'intrigue. Là j'arrive un petit peu à me situer. Ça vous vraiment penser à cette fameuse voiture qui avait gagné le prix de vitesse sur les lacs salés là, qui s'appelait le truc, je sais plus comment, mais. Elle était bleue, mais pas comme ça. Un bleu plus bleu marine. Ça avait cette forme-là, pratiquement. Là, je crois que c'était la première voiture qui avait franchi le mur du son. Oui. Ça remonte. Ouais, la forme est très semblable. Certainement, ça me touche plus qu'en bas, c'est clair. Mais ça reste toujours un petit peu. Pour moi, c'est pas ce que j'apprécie le plus, en fait. Ce qui est bizarre, c'est que moi, je croyais que ce qu'on voyait en bas, c'était ce qu'il faisait maintenant. En fait, il est parti d'en bas pour arriver là. Bon, d'un certain côté, c'est mieux. C'est vrai. Yeah.